Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les papa et papa et papa et papa et papa. Il est les papa et papa et papa et papa et papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais. Poussons, c'est l'un des mères. Oui, j'ai mis. Sors, vite, j'ai mis. Elle est malade, mais une dépression. Là. Si, là, là. Aussi, elle fallait mourir. Ah oui? Oui. Je dormais à 23h, ma mère. C'est une crise. On va passer à la clinique. Ah oui, elle a mis la grille, le feu du gouvernement. Parce qu'ils sont malades, ils ont produit à la clinique. C'est pas le moyen. Quand on va à la clinique, au moins 700 000, 100 000. C'est comme ça, parce que l'oxygène, une heure, ça fait 50 000 francs. Apparemment, les enfants, deux jours, d'autres font une semaine. Donc, c'est un peu compliqué. Celle qu'on se dit, sa maman a fait ses CPN ici, mais malheureusement, elle n'a pas vu comme monsieur. Donc, du coup, à l'accouchement, nous décidons. Et là, vous faites par vos propres moyens. Oui, bon, nos propres moyens, puis les dons qui nous viennent de l'extérieur. Les dames qui travaillent avec nous, sincèrement, c'est un peu difficile pour les payer. Ça revient toujours. Surtout le lait des enfants qui est très cher, très goûteux. Ceux-là, par exemple, ils ont 7 repas par jour. Ceux-là, bon, comme ils sont déjà rentrés dans l'alimentation familiale, bon, eux aussi, là, c'est aussi, ça revient aussi cher. Ben, c'est ce qu'elle a dit, à l'alimentation, les soins, la santé et tout. Et on demande une contribution de 15 000 aux parents, mais ça aussi, ça arrive difficilement. Les parents qui ont fait ce chef. Moi, je vais profiter de ma page pour lancer cet appel SOS. Je suis à Soubré. Je suis venu à la mission Café Saint-Martin de Soubré. Je vais profiter pour visiter l'orphelinat. Qui s'y trouve. Des sœurs Marie à Pipo. Voilà. Et donc, vous voyez tous ces enfants, ce sont des orphelins de mère. Et moi-même, je suis orphelin. Donc, dès que j'ai été interpellé, je suis venu ici. Les sœurs qui s'occupent de ces enfants le font par leurs propres moyens ou bien par des dons, même s'ils sont souvent rares. Vous pouvez apporter votre don. Vous pouvez aider. En regardant au bas de cette vidéo, le contact que vous lisez en ce moment, pour les soutenir. Nous-mêmes qui sommes venus ici pour les visiter, déjà, au nom de notre équipe, nous faisons le don de 250 000 francs CFA pour pouvoir apporter notre soutien à ces enfants qui peuvent être des cadres de demain et qui seront des cadres de demain. Et donc, je le dis, moi-même, je suis orphelin. J'ai vécu ça, je sais de quoi il s'agit. Faites parler votre cœur en appelant au numéro qui s'affiche au bas de cette vidéo. On compte sur vous. Et ce que vous allez donner, ça ne va pas gâter vos projets. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi tu parles? Je ne vais pas te parler, Baoulé, ça va. Chercher sans te trouver. Il est les papa et papa et papa et papa et papa. Il est les papa et papa et papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça.
ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te prier pour ton serviteur, à qui tu as donné ce message. Le message de paix, le message de réconciliation, le message d'union, de cohésion sociale. Seigneur, il n'est pas venu nous dire autre chose que d'être ensemble, de permettre que ceux qui étaient divisés hier se mettent autour de la même table et parlent le même langage pour la même vision à Côte d'Ivoire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette vision que tu donnes à ton serviteur. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Rejoignez-nous au projet.